On y est, les gens, on y est. Alors attendez, est-ce qu'on peut voir la woodbox de ce mois-ci, là, du coup? Donc on est sur la woodbox du mois de juin. Cette fois-ci, on peut vérifier sur le site en direct. C'est ouf. C'est ouf, la woodbox du mois de juin. Alors, je me rappelle plus exactement du thème, je suis désolé. Ouais, mais ça, c'est les vieilles woodbox. Elle est où, celle du mois de juin? Il me semble que cette woodbox du mois de juin n'est plus disponible. Ou ouais, qu'elle était en disponibilité très très limitée. Donc, il y a moyen que celle-ci, dans tous les cas, ne soit plus disponible. Cette box est déjà en rupture de stock. Donc, la box qu'on va ouvrir aujourd'hui est déjà en rupture de stock. Donc, peut-être qu'il y en aura ensuite, apparemment. Mais si elle vous intéresse, ça va être compliqué. Par contre, pour celle du mois prochain, il y a de l'intéressant parce que c'est Beasts qui aura pour licence Gremlins, Harry Potter et Game of Thrones. Game of Thrones, ok, Gremlins, Harry Potter, à vous de voir. On peut être fan, mais pourquoi pas. Oh, je crois que c'est la sci-fi. Non, science-fiction avec la Woodbox. Boum! De la cabine téléphonique de Doctor Who, évidemment. Elle est jolie, elle est pas jolie. Franchement, moi, je vous ai déjà montré, j'ai une collection, je peux pas vous montrer, mais je vous l'ai montré dans les autres vidéos. J'ai une collection de boîtes de Woodbox qui fait en fait office de carton qui empêche la résonance dans mon studio. C'est cool ou pas? Et celle-ci, elle est super belle. La voici. Vous avez vu ça? End spinner, ma gueule. Tu sais pas comment ça marche? Moi non plus, mais j'arrive à le faire. C'est le plus important. Wesh! Je maîtrise totalement l'unboxing de Woodbox. Offrez-moi un voyage à Los Angeles l'année prochaine, sinon j'arrête d'ouvrir des box. Ça coûte cher les mousses, ça coûte cher de ouf. Et c'est pas avec des woodbox qu'on va réussir à se les payer. Bon bref, on unbox tout ça, donc ça serait un peu particulier parce qu'on est en live, donc forcément pas de gros plans de ci, de ça. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je l'ouvre. Espérons qu'il y ait un t-shirt. Parce que l'été, les t-shirts, hein, franchement, ils sont quasi jetables. Moi, je les mets une heure et ensuite je les enlève. Je mets des t-shirts que pour les lives. C'est pour ça, c'est un peu chaud. C'est bien la sci-fi. Puisque c'est écrit dessus. Woodbox Sci-Fi ce mois-ci, le mois de juin. Oh putain, déjà je vois un truc qui est pas mal. Je vois un truc qui est pas mal, je me suis spoil, je suis désolé. On commence par la pop. Parce qu'elle a l'air trop stylée. Vous êtes prêts? Je s'appelle Groot, ma gueule. Groot. Trop stylée. Je suis content, elle est super belle. Je vais me la faire voler, je le sens, mais je suis content. Et celle-ci fait partie des plus stylées que j'ai reçues. Le petit Groot. Trop mignon. Et donc sur le même, il y avait Star-Lord, Gamora, Drax, ouais, les gardiens de la galaxie, quoi. Rocket, Groot, Nebula, Mantis, Ego et Taserface. Mais je crois que c'est le nouveau en fait, hein. C'est pas le nouveau gardien de la galaxie, si, c'est le nouveau gardien de la galaxie, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Chez App, parce que c'est Doctor Who, ça c'est sûr. Titan, vinyle, figurine. Titan, vous osez appeler ça Titan. Genre, c'est tout petit, ça s'appelle Titan. Ok, ben ça, on va l'ouvrir, hein, c'est pas collector. Hein. Ah putain, en plus. Ah, on est obligé de le sguinguer pour l'ouvrir, c'est horrible. Ah non. Oh putain, je vais pas pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre en lui faisant croire que je l'ai acheté spécialement pour lui. Pourquoi c'est emballé comme ça? On dirait un chewing-gum, le bordel. Ah oh, ben c'est fichu pour le cadeau. Hein. Ça sert à quoi, les gars? C'est pas très joli, hein. C'est pas très joli, mais j'imagine que si t'es fan de Doctor Who, t'es content d'avoir un petit truc comme ça. Mais alors, il faut savoir que je n'ai jamais regardé cette série. Genre, j'ai regardé deux épisodes, j'ai fait waouh. Et je me rappelle pas de la fin, je me suis endormi, je crois. Oh, tu peux lui mettre le petit pistolet dans la main, c'est trop mignon. Et je pense que vous le voyez bien là. C'est cool? C'est pas cool. Vous êtes content? C'est tout petit, c'est pas très très. C'est pas très très esthétique, on dirait un jouet clairement. Hein. On dirait un jouet, sauf que si tu le files à ton gosse, et ben, il avale de suite le flingue et il est mort. Donc c'est pas fou. Je le remets dans sa boîte. Ça sert à R, c'est pas très joli à exploser. C'est vraiment pour les fans. Oh, ça c'est pas mal aussi. Des chaussettes Mass Effect, ma gueule. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des chaussettes Mass Effect? Putain. Pour frimer en convention. Ah oh, ça, je les donnerai pas. Hein, donc du coup, je peux les ouvrir. Oh, c'est ouf. Oh, des chaussettes du plus bel effet. Mass Effect, ma gueule. En 43-46, ils connaissent ma pointure de pied, c'est fou. C'est fou. J'ai toujours rêvé d'avoir des chaussettes Mass Effect. Du plus bel effet. Effet. T'as compris? Voilà, c'est des chaussettes. Hein. On va pas non plus faire 2 heures sur des chaussettes Mass Effect, mais cool. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et The Last. Oh non, pas The Last. Attendez. Le fameux pins. Eh, normalement, le pins, c'est sur le bonnet. Vous m'excuserez si je mets pas sur mon bonnet en plein été des trucs. Et alors là, j'ai besoin de vous. On dirait que c'est du Transformers, mais je suis pas sûr. On dirait un pin's Transformers, non? C'est pas Transformers, ça?
On serait pas sur de l'espèce d'Optimus Prime. C'est comme ça que ça s'appelle? Je suis désolé, j'ai pas vu Transformers non plus. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Ben oui. Non, mais ça va, j'ai pas vu Transformers, désolé. Vous avez cru que vous étiez chez Master Snaku là ou quoi? Moi, je regarde pas de film. Il est stylé en tout cas. Il est de bonne facture. Métallisé entièrement, un joli petit pins de chez Woodbox, voilà. Et le fameux t-shirt. Alors attention, j'espère qu'ils ont fait un bon choix pour le t-shirt. Parce que là, sur du sci-fi t-shirt. Ouh là là, ça sent bon. Le t-shirt a l'air soi. Pour le coup, j'espère que. Oh, vous savez peut-être ce que c'est déjà. Il y en a qu'on trouvait, il y en a qu'on trouvait. C'est évidemment. Enfin, évidemment, j'ai vu que ça, et comme vous, j'ai pensé à la DeLorean. Évidemment, retour vers le futur. Donc, c'est un super t-shirt, j'espère. Je ne l'ai pas vu entier, mais ça a l'air cool. Je l'ouvre, attendez, attention au bruit. J'en profite pour tousser, tant qu'à faire du bruit, autant y aller à fond, quoi. Hill Valley High School 1985, la DeLorean, avec McFly devant. Stylé de ouf, on dirait Michael Jackson habillé comme ça, mais bon, pourquoi pas. Franchement, il est stylé. Mais vous voyez, le problème, c'est que les t-shirts font souvent les logos trop bas. Et en live, moi, j'aime bien avoir des logos sur les pecs, entre guillemets, tu vois. Voilà, donc on dit merci qui? On dit merci Woodbox quand même, encore une fois, parce qu'on rigole, mais ce sont les seuls à nous faire confiance et à nous proposer des trucs comme ça. Alors bon, moi merci pour les cadeaux, Woodbox. J'en fais bon usage puisque j'ai très peu de t-shirts. Et du coup, je sue dedans. Ne vous inquiétez pas, je sue dedans. Les chaussettes, j'en ai pas beaucoup l'été, hein. Mais on en fera bon usage aussi, évidemment. Donc, je le répète, cette Woodbox, c'était la Woodbox du mois de juin, la sci-fi. Donc, si vous la souhaitez vraiment, vous pouvez peut-être la commander. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut commander des Woodbox qui sont déjà passés? Je suis dans Woodbox, carte cadeau, s'abonner. Ouais, en fait, tu t'abonnes. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas s'il y a encore moyen de l'avoir. Là, on a le récap des Woodbox d'avant, en fait. Mais tant que tu t'abonnes pas, en fait, tu sais pas exactement ce qu'il y a. Tu le sais, en fait, par sous forme d'indice. Donc là, l'indice, c'était ça. Vous voyez? Le mois prochain, boum. Gremlins. Alors, tu sais pas c'est quoi le thème. Le thème, c'est pas seulement la licence Gremlins, mais ce sera Beast, je vous le dis. Voilà. Et alors, à savoir que je l'ai très rarement dit, mais apparemment, je crois que quand vous êtes abonné à Woodbox, peut-être intéressant, vous avez apparemment la possibilité, un abonné sur je sais plus combien, a la chance de recevoir une Woodbox spéciale, si je dis pas de bêtises. Bref, renseignez-vous si ça vous intéresse. Voilà. C'est comme je le répète à chaque fois, si vous êtes vraiment geek et que vous aimez beaucoup de choses de l'univers geek, que ce soit jeux vidéo, films, séries, etc., ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas fan et que vous voulez juste avoir le petit Groot en pop, il vaut mieux acheter le petit Groot en pop. Voilà, c'est destiné aux vrais geeks, hein. Voilà, aux geeks ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais aux passionnés de séries, de films et de jeux vidéo en tout genre. Très important en tout genre, parce que vous aurez pas tout le temps les mêmes choses. Moi, sur toutes les Woodbox, on va dire qu'il y en a trois. Allez, on va dire qu'il y en a 3-4 qui m'ont vraiment plu, avec un contenu qui m'a vraiment plu, sur je sais pas combien j'en ai reçu de Woodbox, donc il faut voir, il faut voir. Si vous aimez en tout cas les unboxings de Woodbox, ben faites-vous remarquer, parce que sinon je peux pas savoir. Et n'hésitez pas aussi, si cette vidéo sera probablement sur YouTube, dans le lien dans la description, il y aura évidemment le code promo, hein. Le lien affilié, code promo et tout, et YAR. Donc ce sera écrit dans la description. Voilà, c'est tout.